Lyon est capitale, puisque la ville incontestablement votre avenir. Moi, en tant que négociateur, en tant que secrétaire du LCGP, je dénonce cette attitude de blocage. Je ne suis pas d'accord avec cette politique du « je veux tout ou rien du tout » de l'OGBL. Et ceci, quand il y a une solution sur table. On était à 5 minutes d'avoir un accord, qu'on était pratiquement sûr de pouvoir continuer les négociations. Aussi pour les chauffeurs de minibus, aussi pour les autres salariés du secteur. On va faire la pression nécessaire pour qu'ils soient d'accord pour signer cet avenant et de continuer à négocier, sachant que ça va encore être difficile de continuer à négocier, que ça ne va pas être simple. Mais au moins, prenons ce qu'il y a déjà sur table et continuons à négocier. Nos actions, ce sera effectivement, encore une fois, de persuader la FLEA et l'OGBL qu'il faut aller dans cette direction avec les contrôles, avec les garanties nécessaires. On va continuer et informer les salariés de tout le secteur. Ça, par une présence encore plus accrue sur le terrain pour pouvoir parler avec vous face à face et pas d'un bureau où on décide caché derrière les vitres de faire un blocus. Ça, c'est trop simple à mon avis. En tout cas, la LCGP, avec vous ensemble, avec tous les gens qui nous suivent en ce moment, avec un comité qui a ses compétences qu'il a, je suis d'avis que dans les prochaines années, une fois que c'est inscrit cette fameuse, comme dirait Dom, cette putain d'amplitude, une fois qu'elle est inscrite dans la convention collective par le biais d'un avenant, nous, notre combat est de l'extendre à tout le monde et on n'a pas peur et on est assez fort pour essayer de l'imposer au patron. Merci d'être venu et surtout merci à cette formidable équipe sans laquelle on ne ferait rien, on ne pourrait rien faire. En tout cas, soyez fiers d'avoir un comité comme celui de la LCGP à Cap qui défend vos intérêts. Merci.